Je m'en fous. On a volé la Haute-Guinée, on a volé les Malinkés, etc., etc. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Malinkés étaient mobilisés. J'ai dit, un jour viendra, la Basse-Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Alpha, on est critique ou non? Adrien Le Bonnet, etc. Est-ce que Koursi sera là? Allez, vous dites qu'à l'eau, c'est le soldat. Est-ce que Koursi sera là? Soldat, c'est combattant, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'à le bon, qu'à ce moment-là, qu'est-ce que là? Koursa, militaire, le bonheur, vraiment, John Tony. Non, il y a qu'à faux, Andat, le bonheur de Konon. Adrien, Adrien, c'est la Kakuma. Bien, il y a Manika, Haute-Guinée. Aujourd'hui, on va dire la vérité aux cadres malinqués. Les gens qui m'ont le plus combattu dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Les malinqués sont fâchés en 91. Quand Nkafo, que l'on donne à tort, ce sont les plus partis d'une fois à Katambi Aldi. Alkafo, Mouna et le Fora, allez le Tertima, allez en le Bona. Voilà, il y a une histoire longue. Ni Mananou, un bébé, un refli, pour dire. Il a dit, je ne suis pas venu pour donner le pouvoir au Malinké. Je suis venu pour mon parti, ça s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. Et là, nous avons un peu de et Kolo Mayer et Gbemara, nous avons un peu de voilà. Et tout le monde sait que les Malinkés n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Quand on n'était pas avec Sékou, ils pensent qu'ils vont diriger le PD, pas là leur nom. Il faut les laisser s'agiter, pas le nom du PD. C'est les militants qui vont les écraser comme ils ont écrasé les autres. C'est pourquoi je suis tranquille, vous voyez, vous voyez. Mais j'ai dit aussi que l'impunité, c'est fini. Même ceux qui disent qu'ils sont mes parents, s'il faut, je les sanctionne. Ceux qui pensent qu'ils sont proches de moi, qu'ils ne peuvent pas être frappés, ils vont être surpris. J'ai commencé, vous avez vu hier. On dit au Malinké, il ne veut pas donner de courant. Il donne du courant à la basse Guinée, frère, etc. Moi, je ne suis pas pressé. Je sais où je vais. Ils peuvent vous raconter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les élections présidentielles, on a dit, oh, là où il est abandonné, les Malinkés sont fâchés. On a eu des résultats. Il faut les laisser s'agiter. Moi, je ne réponds à personne. Je m'occupe de développer la Guinée. L'État est pour les jeunes. Les gens n'ont pas de mémoire. Normalement, mais ils ont été bêtes. Ils se sont laissés manipuler. Ceux qui ont amené les premiers tracts en Guinée pendant la clandestinité, c'est des fils de Lola. C'est des fils de Lola. Et des jeunes bagas. Mais, ensuite, les gens sont venus de Cancan. Je m'en fous. Ce qui devait être ministre s'agite, c'est leur problème. Ce qui devait être candidat en 2020, c'est leur problème. C'est leur affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, moi, c'est pour l'emploi des promesses que j'ai fait au peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à s'agiter comme des cabris. Ils n'ont qu'à s'agiter. Et Ibita, la même pas, qui a là ça. Il me dit que comment on dit. Plus le singe monte haut, plus on verra son derrière.